à Savalou, nous avons pu mettre la main sur un réseau de façon sans banale. Nous n'étions pas allés à Savalou pour faire des enquêtes. Nous étions allés en campagne. Mais malheureusement pour eux et heureusement pour nous, celui qui nous a nettoyé notre véhicule au moment où on se reposait nous a déclaré que lui est burkinabé, résident au Bénin depuis 2008, qu'il a une carte d'électeur. Alors dès qu'il a dit ça, nous, ça nous a surpris, on a demandé à voir la carte d'électeur. Effectivement, il nous a amené la carte d'électeur de 2016, Bado Edmond. Il est né en 1973, pardon, en septembre, à Zabré, puisque nous avons eu sa carte d'identité nationale qui nous a montré. Zabré au Burkina. Mais sur la carte que Aaron Weber lui a délivrée, il est né à la même date, mais à Savalou cette fois-ci. Nous avons eu un entretien avec le porteur de la carte, un entretien que nous allons mettre à votre disposition. Parce qu'il a reconnu avoir eu frauduleusement cette carte, aidé par un enseignant dont je tais le nom pour le moment. Et il dit que tous les Togolais de Savalou ont cette carte-là. Donc, il nous a dit que non seulement il a eu la carte de 2016, mais avant, il a également la carte de 2015. Je demande à la plateforme de la société civile mise en place pour ces élections-là, de se saisir de ce dossier.